quand ils sont en prison, ils se retrouvent au plein milieu d'un trafic, quoi, que le seul moyen de sortir de prison, c'est de payer, et du coup de rentrer dans un système de dette, on en revient à ce point de non-retour, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on ne met pas dans quelque chose, mais le seul moyen de s'en sortir, c'est de payer, ou alors se prostituer, ou travailler gratuitement, quoi. Et pour pouvoir encore une fois être réintroduit, et la migration à ce moment-là, c'est plus un choix, ça s'impose en fait comme une fuite en avant, quoi.